Bonjour et bienvenue à Roland-Garros. Eh bien, ici sur ce central, nous venons il y a quelques instants d'assister à la première grosse surprise de cette troisième journée des internationaux de France. En effet, le finaliste de l'an dernier, l'américain Vitas Gerulaitis, a été battu par le jeune équatorien Ricardo Icaza en 4-7, 4-6, 6-2, 7-5, 7-5. C'est une surprise car Vitas Gerulaitis, qui est encore classé parmi les 10 meilleurs joueurs du monde et qui était tête de série numéro 9 de ce tournoi de Roland-Garros, eh bien a été battu par un Équatorien qui n'a pas fait beaucoup de résultats cette année. Son seul titre de gloire est d'avoir été champion junior des États-Unis en 1976. En tout cas, c'est Ricardo Icaza qui est aujourd'hui, en ce début d'après-midi, la vedette de Roland-Garros, alors que pénètre maintenant sur le central Jimmy Connors, favori de ce tournoi, opposé au Français Christophe Roger-Vasselin, qui vient d'être finaliste au tournoi de Munich. Eh bien, en attendant de vous présenter cette rencontre, nous allons nous rendre tout de suite sur le court numéro 1, où joue une ancienne, enfin une ancienne, la vedette d'il y a 2 ans de ces internationaux, Victor Pecci, opposé à un Italien. À vous, Alain Escoubé. Oui, effectivement, nous sommes sur le court numéro 1 maintenant et l'ancienne vedette, comme vous alliez dire, Christian, il ne faut pas oublier qu'effectivement, il n'a pas été très bon Pecci pendant 2 ans, mais qu'il est en train de revenir au premier plan international et qu'il a été finaliste à Rome tout récemment, battu seulement en finale par Claire. Victor Pecci est de dos en maillot bleu, alors qu'il est opposé à un jeune Italien, que la balle de Pecci était fausse tout à l'heure, et c'est pourquoi vous entendez les sifflets du public. En tout cas, seul le jugement compte, et l'échange a donc continué. C'est donc Pecci qui remporte cette deuxième manche par 7-5, alors qu'il a remporté la première par 6-2, et qu'il devrait logiquement l'emporter sur ce jeune Italien, Vittorio Magnelli, issu des repêchages. Voilà pour le cours numéro 1. Je pense que nous allons maintenant nous rendre sur le central pour retrouver Connors et Roger Vasselin qui ont commencé il y a quelques instants. À vous, Christian. Merci Alain. Nous allons donc revenir sur le cours central. Nous y voici pour la première apparition de Jimmy Connors dans ce tournoi de Roland-Garros 1981. Connors qui est opposé au troisième meilleur joueur français, Christophe Roger Vasselin. Actuellement, c'est Connors qui mène dans le premier jeu du premier set par 40-30. Connors qui est au service. Jeu Connors. Connors mène 1-0. Voilà, Connors mène 1-0. Ce n'est que le tout début de cette rencontre. Il y a déjà beaucoup de monde aujourd'hui autour du central. Vous savez que Jimmy Connors, depuis 2 ans, est devenu l'idole du public français. Et Jimmy Connors contre un Français, eh bien, cela fait le plein, presque le plein de Roland-Garros pour un premier tour du tournoi. Alors Pierre Darmon, la question que l'on peut se poser, c'est quelle tactique va pouvoir adopter, alors que nous revoyons le geste maintenant fameux de Connors au ralenti, la question que l'on se pose, c'est de savoir quelle tactique va employer Christophe Roger Vasselin pour essayer d'inquiéter Connors. Oui, on va en parler, mais je crois qu'il sera amusant de voir cet amorti rétro que va faire Connors. On le voit ici en pleine extension. Je pensais que c'était le dernier point. Non, c'est pas le dernier point qu'ils nous ont donné. Donc on reparlera à la prochaine interruption justement de ce que je pense pourrait être la physionomie, la tactique adoptée par Connors. Voilà, en tout cas, Christophe Roger Vasselin au service. Zéro quinze.
Quinza. Le match est très animé dès le début puisque je vous rappelle qu'il s'agit du deuxième jeu du premier set et que Christophe Roger Vasselin au service, le français, est à égalité 40 partout. 40 à. Car une partie du public siffle cette balle heureuse de Jimmy Connors. C'est du chauvinisme un peu facile. Et un prêté pour un rendu, c'est assez rare de voir cela dans une partie de tennis, exactement la même balle. Bien sûr, égalité. Christophe Roger Vasselin ne l'a pas fait exprès. Voilà, un échange curieux, presque anecdotique, et Jimmy Connors s'en amuse. C'est cela qui plaît au public, c'est pourquoi la personnalité de Connors est très appréciée ici. Revenons maintenant dans la partie. 40 partout, un match très très animé dès le départ. Thank you.
Connors mène 2-0. Eh bien, malgré tous ses efforts, Roger Vasselin, qui ne joue pas mal du tout, a cependant perdu son service. Et c'est Connors qui mène maintenant par 2-0 dans la première manche. On pourra peut-être garder cet échange au ralenti. Il montre bien la hargne de gagner de Jimmy Connors. Connors mène 3-0. Pierre, il se bat bien, Christophe, mais il est sans arrêt sur la défensive. Bien sûr, il est obligé de beaucoup se dépenser pour arriver à marquer les points. Oui, en plus, il n'a pas eu beaucoup de chance car il tient relativement tête à Connors. Il a eu plusieurs avantages sur son service. On le voit là, Connors au service. Et une balle très courte de Roger Vasselin sur laquelle Connors met complètement en difficulté Roger Vasselin et se crée une ouverture. Je crois que c'est là le grand problème de Roger Vasselin. Il fait un excellent lob néanmoins. Le problème de Roger Vasselin étant d'essayer de allonger ses balles pour éviter justement ce genre de surprise. Et là, Connors marque un excellent lob à
de nouveau créé une ouverture et au lieu de se contenter de laisser rebondir la balle, il a pris de vitesse de nouveau en s'approchant avec une accélération, le type d'accélération qui font souvent la différence. Et cette accélération lui a valu un point. Je disais donc que le problème que Roger Vasselin n'a pas réussi à résoudre pour le moment et la chose à laquelle il doit vraiment faire attention, c'est d'éviter de jouer des balles courtes, car sur ces balles courtes, Connors lance des attaques très redoutables. Voyez, là par contre il ralentit, je crois que c'est un peu une nouveauté dans le jeu et le style tactique de Connors dont je reparlerai. Il perd là le point.
rentre. Connors mène 4 jeux à 1. Eh bien, Pierre Darmon, j'ai l'impression que cette fois-ci, Connors est en train de nous prouver qu'il sait se montrer patient sur la terre battue. Il a pris tout le temps qu'il lui fallait pour préparer son point, là. Oui, j'en parlais justement tout à l'heure. Je crois que là où Connors a évolué un petit peu tactiquement, c'est qu'il ne prend tout à fait plus les mêmes risques qu'il prenait avant. Il arrive à temporiser, il arrive à jouer des balles ralenties, des balles relativement hautes parfois. Et grâce à ça, il fait moins d'erreurs, il est plus efficace sur terre battue, il vient maintenant plus volontiers également sur cette terre battue. Mais néanmoins, c'est pas pour autant qu'il ne mène pas l'initiative de la partie, c'est quand même lui qui attaque, c'est quand même lui qui distribue le jeu, c'est lui qui crée les accélérations, et je crois que là, on peut reconnaître un Connors extrêmement rapide, extrêmement incisif, un petit peu heureux là car sa balle prend le filet. Et vous voyez que sur cette balle courte, il lance une superbe attaque qui met en grande difficulté puisque Roger Vasselin ne peut faire un mauvais lob. Je vous dis donc que Connors semble vraiment très très en jambes et ce n'est pas par hasard qu'il vient de reprendre la deuxième place au classement de l'ATP, deuxième place qu'il avait perdue depuis plusieurs mois au bénéfice de McEnroe. Voilà, Connors mène donc 4 jeux 1 dans la première manche, Roger Vasselin au service. Quarante.
15-40, c'est mauvais pour Christophe Roger Vasselin. C'est quelques moments de répit pour vous dire que sur le cours numéro 1, Victor Pecci s'est qualifié en 3-7 aux dépens de l'Italien Magnelli, 6-2, 7-5, 6-1. Et nous irons tout à l'heure sur ce cours numéro 1 pour suivre un match passionnant entre Claire contre Gunthart. Voilà, 5-1 pour Connors. Vasselin craque petit à petit. Et c'était intéressant sur cette approche de Vasselin. Alors que d'habitude, Connors prend très tôt sa balle. Là, au contraire, il a pris tard pour continuer à laisser venir son adversaire au filet. Et au dernier moment, il a fait ce lob remarquablement exécuté qui prend Vasselin contre-pied. Hop. 15-0. Première manche donc pour Jimmy Connors, je crois qu'il n'y a rien à dire. Christophe Roger Vasselin se bat bien avec les armes dont il dispose, elles sont insuffisantes face aux Connors d'aujourd'hui. Oui, je crois qu'il faut remarquer que Connors joue très très bien, il est très en jambes, il fait peu d'erreurs, comme nous le disions tout à l'heure. Il adopte une tactique plus efficace sur terre battue et au fil des jeux, il est en train de prendre un ascendant. Un ascendant qui a fait que sur ces deux derniers jeux, Christophe Roger Vasselin, pour essayer de se desserrer de l'étau dans lequel est en train de l'enfermer Connors, a été obligé de prendre des risques, de jouer un petit peu au-delà de ses possibilités. Et s'il est vrai qu'il a réussi un très beau revers le long de la ligne, il a également eu des déchets. C'est le risque quand on veut jouer au-delà de ses possibilités. Le risque, c'est les erreurs que Christophe Roger Vasselin vient de faire. Second set, au service, Roger Vasselin. S'il vous plaît, silence. Merci. Deux balles. Thank you.
0-30. J'ai un sentiment assez curieux parce que j'ai l'impression, on est au troisième jour de tournoi de Roland-Garros, on a vraiment l'impression que ça ne fait que commencer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'ambiance des grands jours, il fait beau, il y a du soleil, il y a beaucoup de monde, du monde dans la tribune présidentielle. Ça sent le vrai démarrage du tournoi. Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut dire qu'on a été très frustrés ces deux derniers jours car la pluie a non seulement gêné le bon déroulement mais également rendu les parties qui se sont disputées moins attrayantes. Le cœur n'y était pas de la part des spectateurs et ça se communique. Les joueurs ne jouaient pas très bien. Les conditions étaient quand même extrêmement difficiles alors que là on retrouve à la fois le soleil, un public chaleureux, ô combien chaleureux car c'est un public un peu particulier. Énormément de jeunes sont là. Ils réagissent d'une manière un peu différente que le public dit traditionnel de Roland-Garros. Je dois dire que dans la grisaille d'hier, eh bien, un seul joueur a apporté un petit peu de soleil, c'est Ilie Nastase, puisqu'il a battu, vous le savez, Telcher en 3-7. Et à ce sujet, je voudrais vous dire que le comité du tournoi s'est réuni ce matin pour prendre des sanctions contre l'Américain qui avait tenté d'agresser l'arbitre de chaise. Eh bien, Telcher a été pénalisé d'une amende de 2 500 $. Oh!
Siffle parce qu'il y a des gens qui se promènent dans les allées qui gênent un peu les joueurs. Seconde, balle 9. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu Connors rater un smash. Il a dû en rater, mais très peu. Non, effectivement, il a une détente et un coup d'œil qui lui permet de smasher d'une manière remarquable et de trouver d'excellents angles. C'est un redoutable smasher et qui plus est, tout de suite derrière, il est toujours à l'affût de smash qui pourrait revenir. Il se reprécipite au filet. L'engagement physique et athlétique de Connors est tout à fait étonnant et tout à fait remarquable. On le revoit ici justement faisant ce match, vous voyez cette détente, il va chercher la balle très très haut, à quel point il va se replacer rapidement alors qu'il juge que la balle est faute et il arrête son action. Juste sur la ligne. 30-0.
Roger Vasselin mène 2-1. Les bonnes réactions du Français qui a flirté avec les lignes parce que sa dernière balle de service a vraiment touché, à mon avis, d'un millimètre la ligne de service. Oui, l'impression que j'ai, c'est que d'une part, Connors n'a pas baissé l'intensité de son jeu. Il joue toujours avec un tas d'agressivité. Mais la remarque, c'est que depuis le début de ce deuxième set, Christophe Roger Vasselin sert beaucoup mieux. J'ai l'impression que, après la surprise des premiers jeux, il a maintenant pris la mesure de son adversaire. Il est moins débordé, il est plus à l'aise et il joue maintenant nettement mieux. En tous les cas, il commence à rendre la vie plus dure à Connors. En tout cas, ce qui me frappe, c'est la patience avec laquelle Jimmy Connors soutient maintenant l'échange. On sent qu'il fait un effort pour s'acclimater à cette terre battue qui lui a été si souvent en contraire. Oui, il fait un gros effort d'adaptation tactique, psychologique. Je crois qu'il y croit maintenant. Et je pense que le problème de McEnroe sur la terre battue, ce n'est pas tellement son jeu qui n'est pas adapté, mais c'est qu'il a du mal à y croire. Et c'est peut-être son problème le plus important. Connors, lui, il y croit beaucoup maintenant.
Ah, c'est un tournant important pour Christophe Roger Vasselin qui vient de prendre le service de Connors et qui surtout a pris en quelques occasions l'initiative dans l'échange. C'est lui qui a porté les accélérations. Le voici au service. Il mène Christophe Roger Vasselin par 3 jeux à 1 dans le second set après avoir perdu la première manche par 6 jeux à 1. Alors que le juge de ligne ne l'annonce pas, il y a un petit peu de vent. Non, non, ça y est, elle est annoncée bonne. Elle est annoncée bonne. Elle est annoncée bonne, la surprise est générale. Pour bien du public. On est dans l'axe de la ligne. Là, elle n'est pas bonne, non, je ne pense pas. Vu d'ici, elle semblait nettement faute. C'était une volée bien faite d'ailleurs. Celle-ci, elle est bonne, hein, bien sûr. Il n'a pas oublié et il montre la trace de l'impact de la volée de Roger Vasselin de tout à l'heure. 30 à tout de même. Deux balles. C'était tout près d'avoir un tout petit geste de mauvaise humeur. Oui, c'est un petit peu dommage. On revoit ici Connors au service. C'était le jeu précédent. Cette extension et cette énergie qu'il déploie. Vous voyez toujours ce jeu de jambes très souple, la précision. Et là, il coupe la balle alors qu'il est projeté en arrière, qu'il est obligé de sauter.
ses appuis qu'il prend en faisant passer l'équilibre du corps de l'arrière vers l'avant, ce qui donne vitesse et puissance à sa balle. Préparation toujours bien exécutée. Et ce petit saut en arrière de Connors, il vient maintenant se replacer. Et c'est dommage sur ce jeu. Je crois que Christophe Gesvasselin s'est un peu précipité. Il a joué un premier coup droit au premier point du jeu, un peu précipité. Et également deux balles courtes sur les deux derniers points. Et balles courtes sur lesquelles Connors n'a pas hésité à lancer de grandes attaques. Et grâce à cela, il revient maintenant à 3-2. Et c'est Connors qui sert. Jeu partout, seconde. Voilà, Connors a refait complètement son handicap. Égalité, 3-2 dans ce second set. Ce sera difficile tout de même pour Christophe Roger-Valsin qui se bat bien, mais le plus souvent sur la défensive. Il est au service. Ah.
15. Plein dans l'angle cette balle de commerce. Il me semble, Pierre, qu'il y a un début de lassitude psychique chez Roger Vasselin. C'est dommage, car sur ses trois derniers jeux, il a fait énormément d'erreurs, alors que les quatre premiers jeux de ce set, il l'avait très très bien joué. On pensait qu'il pouvait inquiéter légèrement Connors, sans pour autant prendre le dessus. Là, sur ses trois derniers jeux, il s'est précipité, et de nouveau, il s'est montré maladroit et avec surtout beaucoup moins de réussite et notamment servant moins bien et ne passant que peu de premières balles. Oui, puis il ne construit plus son jeu, il cherche à faire une amortie par-ci par-là, un coup le long de la ligne, mais on sent qu'il y a quelque chose de cassé moralement. Oui, il y a quelque chose effectivement de cassé, alors que maintenant Connors reprend tout à fait la direction de la partie, il sert à 4-3 et c'est le moment maintenant d'essayer de revenir pour Christophe Roger Vasselin. Le public le sent bien d'ailleurs car il l'encourage, c'est maintenant qu'il faut qu'il revienne. Thank you.
40-15. Connors mène 5 jeux à 3 secondes. Voilà, 5 jeux à 3 pour Connors. C'est Christophe Roger Vasselin qui manque de réaction ou qui n'y croit peut-être déjà plus beaucoup. Oui, un petit sursaut de Roger Vasselin, dû, selon moi, je ne voudrais pas paraître sévère, mais dû pour beaucoup à des erreurs de Jimmy Connors. Oui, on peut dire que Jimmy Connors là, a commis son moins bon jeu de la partie, si je puis m'exprimer ainsi, car en effet, il a commis des erreurs relativement faciles, tout à fait au début du point. Des erreurs qui ne se justifiaient pas vraiment et naturellement Christophe Roger Vasselin a eu raison de bien en profiter pour revenir à 5-4. Il n'y a plus qu'un jeu d'écart, encore que Connors soit au service. C'est la preuve en tout cas que le français reste présent dans la partie et que si Jimmy Connors venait à avoir trop de déchets dans son jeu ou à baisser un petit peu de régime, eh bien Christophe Roger Vasselin serait là. Pour essayer de reprendre le dessus, je dois dire que c'est le seul Anglais engagé dans le tournoi parce que je crois savoir qu'il a la double nationalité française et anglaise et comme il n'y a pas de joueur britannique, c'est à la fois l'un des meilleurs Français et le meilleur Anglais engagé à Roland-Garros. Connors au service. Yeah.
15-30. Second service. Cette fois, elle n'est pas retombée du bon côté pour Jimmy Connors. Et c'est une bonne performance pour le Français qui égalise à 5 jeux partout. Alors qu'on a vu Jimmy Connors manquer en une ou deux occasions un petit peu de patience. D'ailleurs, on va le voir sur ce ralenti. Je crois qu'il a attaqué la balle alors qu'il était en mauvaise position et il a fait une faute. Et oui, on voit l'échange classique avec une balle un peu croisée courte. Cette position très penchée sur ses jambes, sur cette balle basse de Connors. Là encore, penchée sur ses jambes. Vous voyez, son genou gauche touche terre pour ajuster par rapport à la hauteur de la balle. Et là, sur cette balle, il continue à attaquer, mais un coup droit dans le filet. Et ce coup droit ne méritait pas ça. Et là, on a vu un des meilleurs coups de Connors, le smash après le rebond, qui est souvent plus efficace que son smash normal. Oh.
Oui, là encore, c'est le signe du champion. Il avait compris que Christophe Roger-Vasselin reprenait un peu confiance en ses moyens. Et laissons, si je puis dire, parler la musique. Voilà, oui, je crois que c'est là aussi, Pierre, le signe d'un grand champion. Il avait compris que le Français recommençait à reprendre un petit peu confiance en ses moyens. Et disons qu'il a porté 3 ou 4 accélérations qui ont fait la différence. Oui, surtout là encore, c'est sur ces balles courtes que Christophe est en train un peu de se suicider. Vous voyez ce premier smash de volée sur lequel il n'arrive pas à finir le point. Et avec beaucoup de courage, Christophe fait un grand lob de défense là. Et ce smash après le rebond dont je vous parlais tout à l'heure, qui est extrêmement efficace, ce coup redoutable. Et Christian, vous parliez effectivement de la différence que faisait Connors. Effectivement, on a l'impression qu'il a quelque chose sous le pied qui lui permet d'accélérer quand il faut. Et quand il se sent menacé, il se réenvole tout de suite. Tout au moins, c'est ce qu'il a fait dans le courant de ce second set. Voilà, Connors a donc passé la surmultipliée et il mène 6 jeux à 5 dans le second set et il est au service. La vitesse de jambe de Connors qui est tout à fait remarquable et il s'étend là pour faire un smash. Ce coup-là était facile, mais avant, il fallait être très très rapide pour ramener l'excellente volée amortie de Christophe Roger-Vasselin. Et voilà, c'est le deuxième set maintenant pour Connors. 6-1, 7-5 pour Connors. Oui, donc 2 manches à 0 pour Jimmy Connors, mais le soleil est en train de perdre la première manche de cette journée, car j'ai l'impression qu'il recommence à pleuvoir. En tout cas, les parapluies se sont ouverts autour du central, c'est mauvais signe. Un petit vent frais est en train de glacer les 8000 spectateurs qui étaient présents aujourd'hui. Troisième set. Au service, Roger Vasselin. Enfin, en tout cas, ça tient encore, mais c'est tout juste. Je parle du temps. Thank you.
C'est dommage, c'était très bien anticipé de la part de Roger Vasselin. Sur la ligne, la balle n'a pas rebondi. Roger Vasselin mène un jeu à zéro, troisième. Voilà, bon début de Roger Vasselin dans le commencement de cette... Et sur cette balle profonde, Christophe se crée l'ouverture et un mauvais lob de Connor sur lequel Christophe Roger Vasselin n'a aucune difficulté pour terminer ce point. Et alors que ce premier jeu du troisième set était un jeu également plutôt moins bien joué par Connors avec quelques erreurs, ce round de l'Achille peut-être un tout petit peu. Balle neuve. C'est qu'elle sortait de toute façon la balle. Beaucoup de fautes de Connors là. Un relâchement certain, je crois que Connors se sent nettement supérieur, il se relâche un petit peu, c'est souvent difficile pour les joueurs de maintenir l'intensité pendant 3 sets, mais c'est aussi dangereux de se relâcher, on ne sait jamais au tennis. Et puis il pleut un tout petit peu, pas beaucoup, mais il pleut. Ah.
Enlevez la balle. Enlevez-vous. Vasselin mène 3 jeux à 0, troisième. C'est curieux parce que c'était au moins, je crois les avoir bien compté, la sixième faute consécutive de Jimmy Connors qui n'est plus tout à fait dans la partie. Et il faut féliciter d'ailleurs Christophe Roger Vasselin de maintenir la pression, lui de son côté. Oui, ce qui va être intéressant d'ailleurs, c'est de voir la réaction de Connors qui visiblement est un petit peu sorti de la partie, voir comment il va réagir pour revenir dans cette partie et s'il arrive à revenir rapidement et efficacement. Je vous rappelle pour ceux qui n'auraient pas été à l'antenne au début de notre retransmission que la première grosse surprise de cette journée a été enregistrée vers 13h30 par la défaite du finaliste de l'an dernier, Vitas Gerulaitis. Gerulaitis qui l'année dernière avait précisément battu Jimmy Connors en demi-finale. Et bien Gerulaitis a été battu en début d'après-midi par un modeste équatorien, Ricardo Icaza, en 4-7, 4-6, 6-2, 7-5, 7-5. Quinze trente.
40. Voilà, c'est tout à fait le tennis. Le français Roger Vasselin joue bien. La mécanique de précision qu'était Jimmy Connors tout à l'heure s'est déréglée. Et cela se traduit au score par 4-0 pour le français dans le troisième set. Deux balles. Voici Madame Connors, Pat, un ancien modèle américain. Et sur ce coup, Christophe Roger Vasselin est complètement resté sur place. Il ne savait pas du tout où allait la balle. Il n'a pas eu de réaction, il n'a pas bougé. C'était bien joué de la part de Connors. Thank you.
résultat. Avantage, Roger Vasselin. Voilà, je crois que cette fois il pleut hélas sérieusement et que la partie ne va pas tarder à être interrompue. Je pense même que Roger Vasselin ne pourra pas servir alors que c'est avantage pour lui et 4 jeux à 0 dans le troisième set. Non, c'est impraticable, c'est injouable. Voilà. Jeu pour Christophe Roger-Vasselin. Roger Vasselin mène 5 jeux à 0. Qui mène 5 jeux à 0 et s'il faut regretter de nouveau cet orage, eh bien je crois qu'il est... Il vient à point pour Jimmy Connors qui commençait maintenant à être vraiment en difficulté. Il s'était un petit peu sorti de la partie. On voit ici Christophe en train de servir une excellente première balle. C'était la balle de jeu qui donnait 5-0 et je crois que surtout les joueurs désiraient rentrer au vestiaire car il pleut très fort.
Voilà, je pense, Pierre, que cette interruption est plutôt favorable à Jimmy Connors, car il n'arrivait plus vraiment à revenir dans la partie. Et pendant ce temps-là, eh bien, Roger Vasselin maintenait bien la pression. Il jouait bien, lui. Oui, je crois que notamment Connors va pouvoir se rendre compte tranquillement au vestiaire qu'il faut qu'il se méfie. Aucune partie n'est gagnée, il le sait bien, mais chaque fois, les leçons qu'on reçoit sur le cours sont toujours bonnes à prendre. Et au retour, Connors va sans doute essayer de se remettre dans la partie avec peut-être peu d'espoir de gagner ce troisième set, mais tout au moins de revenir pour gagner facilement son quatrième set. Je pense que c'est l'objectif qu'il se fixera. En tout cas, c'est dommage. Il est dit que nous n'aurons pas une journée sans pluie. J'espère que je vais pouvoir peut-être entrer en liaison avec Jean-Michel Heuliot pour qu'il nous fasse un petit peu le point des résultats qui ont été acquis jusqu'à maintenant. Et Jean-Michel, je l'aperçois ici de la tribune commentateur, mais je crois qu'il n'est pas en état de répondre à mes questions. Est-ce que vous m'entendez, Jean-Michel? Oui, Christian, vous m'entendez? Jean-Michel, je ne vous entends pas, moi, en ce qui me concerne. Allô, Christian? Oui, ça y est, oui. Eh bien, Christian, je crois qu'on pourrait effectivement faire un petit point, si vous me recevez bien, ici. Alors que je scrute le ciel, évidemment, dans le trou noir là-bas de Boulogne, c'est-à-dire que le vent a un petit peu changé par rapport au jour précédent et je dois préciser qu'il s'est maintenant un petit peu calmé. J'ai l'impression que la partie pourra quand même reprendre assez vite puisque même la bâche actuellement ne remplit pas son rôle, il ne pleut pratiquement pas et c'est une averse et j'aperçois derrière vos cabines là-bas un grand trou blanc qui devrait permettre peut-être la reprise de la partie tout à l'heure. Enfin, c'est l'optimiste qui parle. Alors, en ce qui concerne les résultats, rappelons que ce matin, Proisy a battu Pronk, l'Australien, 6-1, 6-3, 6-1. Icassa, l'Équatorien, a battu Girulatis, 4-6, 6-2, 7-5, 7-5. Krulevich, l'Américain, a battu Nistrom, le Suédois, 2-6, 7-6, 6-3, 7-6. Gonzabal, l'Argentin, a battu Orantes, une petite surprise, mais Orantes n'est plus très jeune, 7-6, 6-4, 6-2. Gottfried a battu Aubon, l'Argentin, en 6-7, 6-3, 6-0, 6-4. Baram, l'Iranien, Barami plus exactement, a battu le Français qui était pourtant bien parti ce matin, comme vous le disait Jean Reynal, en 4-6, 7-5, 6-4, 7-6. Il a battu quel Français? Aye. Ah oui, merci. Aye. Oui. Barami. Donc a battu Hayet, Jean-François Cojol a battu McCow, l'Américain, en 6-3, 6-3, 6-3. Il y a eu également Urpi, l'Espagnol, qui a battu le Français Casa, qui a donc éliminé 7-5, 4-6, 6-4, 6-0. Et Pecci, vous l'avez dit, et vous l'avez vu également, qui a battu Magnelli en 6-2, 7-5 et 6-1. Pour ce qui est des dames, eh bien Smith, l'Américaine, a battu Stowe par 4-6, 6-4, 7-5. Pinterova, la Tchécoslovaque, a battu Lee, la Coréenne, 6-1, 0-6, 6-1. Rinaldi, l'Américaine, a battu Perea, 6-0, 6-3. Vous savez que c'est en 2-7 pour les dames. Van der Thor, la Hollandaise, a battu Hartford, la Sud-Africaine, en 7-5, 6-1. Andrea Jäger, vous l'avez vu également ce matin sur TF1, l'Américaine, a battu et avec beaucoup de mal la Hongroise Terence Vary, 4-6, 7-6 et 6-3. Et Rossi, l'Italienne, a battu Lewis, l'Américaine, 6-3, 6-2. Je dois également vous dire que la pluie a fait maintenant son apparition sur tout Roland-Garros et que par conséquent, toutes les parties sont interrompues. Sans oublier de vous préciser que tout à l'heure, je me suis approché de Girulatis quand il avait été battu par Icaza et il m'a dit « Now I go home », c'est-à-dire « je rentre ». Et quant à celui qui a battu Girulatis, vous pourrez entendre ses impressions ce soir au cours du résumé de TF1, ce jeune équatorien qui a créé l'une des surprises. Là, j'ai essayé de recueillir quelques impressions de Christophe Roger Vasselin, mais vous comprendrez qu'il n'avait pour l'instant qu'une ambition, c'est d'aller se reposer. Ce qu'on peut dire, c'est que la pluie tombait mal pour lui parce qu'il était bien parti pour Dame et le Pion à Connors dans ce troisième set. Je regarde toujours le ciel, Christian. Alors, vous allez avoir une éclaircie dans quelques minutes, un bout de ciel blanc qui arrive là-bas, sans nuages, et puis après, encore une grosse masse de nuages noirs qui s'approche de Roland-Garros. Alors, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en sera du temps. Hein. Oui, non, merci Jean-Michel. En tout cas, je dis c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on avait vraiment l'impression que c'était le véritable coup d'envoi des internationaux de France. Il y avait beaucoup d'ambiance, près de 10 000 personnes
personnes autour du central. Jimmy Connors a un jeu spectaculaire qui plaisait beaucoup au public. Et puis, c'était bien parti, mais hélas, voici de nouveau les parties interrompues. C'est bien dommage. Alors voilà ce que je propose maintenant à notre équipe technique et par la même occasion à vous, téléspectateurs, c'est de revoir la fin de notre épisode, de notre émission à épisode, c'est-à-dire la finale de l'année dernière, la finale 1980 entre Gerulaitis et Björn Borg. Nous allons vous montrer cette fois le dernier set, le troisième et dernier set. Oui, d'ici quelques temps, bien sûr. Il faut le temps de prendre le magnétoscope et de le caler sur les machines. En tout cas, comme ça, précisément, par petits bouts et par épisode, nous vous aurons remontré toute la finale de l'année dernière. Et puis, je pense que d'ici une demi-heure, le temps de voir pour vous donc ce troisième set de la finale 1980, eh bien, nous serons en mesure de reprendre nos émissions en direct. Et puis, disons que c'est aujourd'hui un hommage à celui qui est probablement très déçu et qui a été battu au premier tour de ces internationaux 81, Vitas Gerulaitis, battu prématurément par l'équatorien Icassa et qui n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes. Jean-Michel Leliot vient de vous le dire, il a dit « I go home » et un point c'est tout. Il est sans doute très déçu. Oui, je pense que c'est une surprise considérable. Icassa est un bon joueur, un joueur solide, mais néanmoins, sur ce qu'on a pu voir de cette partie, il a été étonnant de constater que Vitas Gerulaitis était très passif, il renvoyait la balle, il n'a jamais cherché à prendre l'initiative telle qu'il aurait dû la prendre, même s'il devait être battu, tout au moins prendre l'initiative. Il a été extrêmement passif et ceci lui a valu cette défaite. Il faut dire aussi que depuis le début de cette saison, un petit peu blessé d'abord, Gerulaitis a perdu beaucoup de sa confiance. Il n'a pas réussi à battre les bons joueurs qu'il avait réussi de battre. Je crois que le meilleur joueur qu'il a battu au cours de sa saison est Fibak, alors que par ailleurs, il a subi beaucoup de défaites et de défaites sévères. Il faut également remarquer que de la même manière que le finaliste de 1979, Pecci, avait fait une contre-performance étonnante l'année dernière et devant les caméras de TF1 en étant battu au premier tour. Là encore, Vitas Gerulaitis, finaliste en 1980, a également été battu au premier tour un petit peu de la même manière, décidément. Le rôle de finaliste ne porte pas bonheur, tout au moins sur ces deux dernières années à Roland-Garros. En tout cas, Victor Pecci va bien, puisque Alain Escoubet vous l'a expliqué tout à l'heure. Il a dominé relativement aisément l'Italien Magnelli. Donc Victor Pecci reste dans le tournoi. Et oui, non seulement il l'a battu relativement aisément, ce qui est tout à fait normal, mais encore Pecci a fait preuve d'un retour en forme important. Il a bien joué au cours de ces dernières semaines et notamment la semaine dernière, puisqu'il a battu Vilas à Rome, Vilas qui était tenant du titre. Il a ensuite perdu contre l'Argentin Clerc en finale de ses internationaux d'Italie. Mais je crois que Pecci, avec ce retour en confiance, Pecci qui se sent à l'aise sur Roland-Garros et qui a envie de très bien faire, je crois que Pecci peut nous réserver quelques très très bonnes parties avec le talent et le toucher que nous lui connaissons. Mais hélas, des passages à vide. Enfin, j'espère que ces passages à vide sont oubliés. Et c'est que du grand Pecci que nous reverrons à cette édition 1981 des championnats internationaux de France. Et à propos de passage à vide, comment expliquez-vous, Pierre Darmon, le passage à vide que vient de connaître Jimmy Connors face à Roger Vasselin? Car il a changé d'un seul coup et depuis 20 minutes, pratiquement, il accumulait toutes les erreurs. Je crois que ce passage à vide a certaines explications. En fait, d'une part, Connors s'est senti très supérieur à Roger Vasselin sur cette partie. Il a considéré qu'il pouvait très difficilement perdre et être menacé. Et à partir de là, il s'est un tout petit peu relâché. Il a commencé à être peut-être un peu plus distrait, moins volontaire. Il a fait quelques erreurs. Et ce genre d'incident arrive très souvent quand on gagne facilement et quand on se sent vraiment
la possibilité de dominer l'adversaire, et notamment quand on est un petit peu mené, voire un petit peu malmené, de revenir et de placer une accélération. Au second set, Connors l'a fait très bien. Et il a un peu vécu sur cette facilité qui lui joue un mauvais rôle, mais je pense sincèrement qu'il va avoir tiré les enseignements de cette mésaventure, et je vois tout de même difficilement Connors perdant cette partie aujourd'hui. Voilà, en tout cas, nous allons voir maintenant comment Björn Borg a réussi à gagner la finale de l'année dernière face à Gerulaitis. Et ils vont reprendre la partie. Il a gagné. Bravo, monsieur Borg. Dans une dizaine de jours, nous saurons s'il réédite face à un autre adversaire, puisque Gerulaitis a été éliminé. Et nous nous retrouvons en direct sur le court central avec Connors au service face à Roger Vasselin. Connors qui mène par 2-0, mais qui est mené 5-0 dans le dernier jeu de cette manche. Et je vais donner l'antenne très rapidement à Jean-Michel Lelion qui nous appelle. Alain Escoubé, non, je me suis approché de Mme Connors, mais j'ai l'impression que de toute façon, pour l'interview de la femme de Jimmy, qui est ici dans une loge en train de regarder, il faudra peut-être attendre tout à l'heure soit l'arrivée d'un nouveau nuage, qui n'est pas à souhaiter, soit tout simplement la fin de la partie, parce que maintenant, comme vous l'avez vu, elle a repris. Alors à tout à l'heure. Eh bien, place à la partie, donc, avec au service Connors qui mène 30-0, mais il est mené 5-0 dans la troisième manche. Et une petite hésitation là, de la part de Connors pour monter au filet, et ce petit dixième de seconde qu'il a perdu du fond qu'il perd aussi le point. Roger Vasselin mène 5 jeux à 1, troisième. Second service. Oh. Oh.
15-30. Roger Vasselin qui a du mal à bien revenir dans la partie, là il est lent, il a du mal à reprendre le rythme qu'il avait au moment où le match s'est arrêté. Roger Vasselin mène 5 jeux à 2, troisième. Et oui, Pierre, c'était prévisible. L'interruption due à l'orage a été favorable, en tout cas pour le moment, à Jimmy Connors, qui lui a bien rentré de nouveau dans la partie. Oui, il est de nouveau concentré, il est de nouveau très volontaire. Je crois aussi qu'il a eu sa petite leçon, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se permettre de se relâcher, même contre un joueur sur lequel il se sent supérieur, car certes il se sent supérieur à Roger Vasselin, mais là il est revenu très déterminé. Va-t-il pouvoir remonter tout de même ce long handicap de 5 jeux? C'est pas évident, mais en tous les cas, je crois que s'il continue à avoir cette attitude dans la partie, s'il reste dans cette partie ainsi, il devrait de toutes les façons s'en sortir. Dans ce cas-là, ça laisse supposer qu'entre Connors et Roger Vasselin, il y a tout de même une immense différence de classe. Alors. Oui, il y a une différence de classe extrêmement importante et on l'a d'ailleurs bien noté tout à l'heure, car chaque fois qu'il était un petit peu menacé à 5-3 ou dans ce second set, il a à ce moment-là poussé une petite accélération qu'il a tout de suite ramené aux commandes de la partie, mais il s'est beaucoup relâché dans ce début de troisième set. Que fait Connors indique qu'il y a eu un bruit énorme à l'instant. C'était un bruit d'orage, bien sûr. Mais probablement un orage qui s'éloigne. Thank you.
De la double faute. 40-0. 3 balles de 3e set pour Christophe Roger-Vasselin. Thank you.
Roger Vasselin gagne le troisième set, 6 jeux à 3. Voilà un petit hymne au succès de Roger Vasselin dans cette troisième manche. Il a eu beaucoup de mérite, l'a gagné, surtout de l'avoir gagné avant la pluie, si je puis dire. Et oui, puis il l'a terminé d'une manière un petit peu laborieuse. On voit ici cette balle de 7, une balle de 7 que va sortir Connor. Je pense que c'est ce point-là. Christophe qui remet une balle haute et qui s'en rappelle. Et je crois que maintenant ça va être un peu la mi-dune de vérité, car c'est logiquement ce début de quatrième set que Connors va vouloir prononcer son effort. Il va vouloir se détacher pour éviter d'être à l'abri d'une surprise. C'est certainement le moment où il va livrer une bataille intense, mais entre l'intention et la résilience, c'est pas toujours la même chose. On va voir s'il arrive à livrer cette bataille et à se détacher. Connors mène un jeu à 0, quatrième. Voilà, Connors a le plus logiquement du monde gagné son service. C'est tout de même d'ailleurs une petite défaillance pour lui que d'être resté absent pendant une partie de ce troisième set, ce qui a permis fort heureusement à Christophe Roger Vasselin de l'emporter. Mais je ne crois pas qu'il faudra que Jimmy Connors abuse de ce genre d'absence. Oui, surtout qu'il risque d'avoir affaire ultérieurement d'une part à de meilleurs adversaires. Et puis malgré tout, il ne mène que jamais par un jeu à zéro. Et on va voir comment il va réagir pour essayer de creuser l'écart. Voilà, c'est un plan de la tribune présidentielle qui commence d'ailleurs pour la première fois depuis le début de ces internationaux à se remplir de personnalités diverses, qui assistent en tout cas à une partie intéressante entre
Connors et Christophe Roger-Vasselin. Alors que nous apercevons monsieur et madame Jacques Chaban-Delmas notamment et les moustaches en bataille de Yon Tyriac au second plan. Leur langue. 15 à. Mais surtout ce qu'on appelle une excellente attaque à contre-temps, car il a d'abord joué son coup et ensuite il s'est précipité au filet sans que son adversaire s'en rende compte, et ces attaques en contre-temps gênent beaucoup l'adversaire. Second service. Ça faisait déjà quelque temps que les balles de Roger Vasselin étaient à la limite de la double faute. Oui, il a lancé à deux reprises d'ailleurs sa balle trop en avant. Il a été déséquilibré vers l'avant et c'est là pour la raison pour laquelle son service a piqué à deux reprises dans le filet. Connor.
Second service. Connors mène 2-0, quatrième. Voilà Connors qui fait la différence d'entrée de jeu dans cette quatrième manche. Et on a l'impression que Christophe Roger-Vasselin est un petit peu dans les cordes. Il est loin, loin au fond du court et à droite et à gauche, complètement trimballé, mais sans être pour autant péjoratif ce terme, car il se bat avec beaucoup de courage, vous le voyez ici. N'est-ce pas, en train de essayer de soutenir une cadence très très violente, mais sur cette attaque, Connors n'a aucun mal. Il fait un premier smash et là, une volée à contre-pied. 0-15. Qui remercie son adversaire. Ah.
Et ça arrive, un point remarquablement joué par Connor, sauf une dernière volée facile qu'il met tout près de la ligne, tout près. Et là encore, Christophe Roger-Vasselin qui se bat avec beaucoup de courage, il a une occasion de revenir, là il ne faudrait pas qu'il la manque, alors qu'il avait une balle de jeu tout à l'heure, il avait fait une double faute sur son service, il ne faudrait pas qu'il manque cette occasion. Qui est de nouveau concentré, c'est lui qui mène une cadence et une cadence sévère. Et malgré tout, Christophe Roger-Vasselin, qui était revenu après ce repos un peu déconcentré, rejoue mieux. Là, il a eu quelques balles de jeu, on le voit ici, faisant un excellent revers qui arrive à déporter Connors. Il joue le côté qui est ouvert et là, un superbe lob où il est pris à contre-pied avec énormément de contrôle, de toucher, de vista de la part de Connors. On sent là qu'il a très bien senti la balle. Hein. Il a porté à la hauteur qu'il fallait. Là, il n'a pas hésité. Il a tout de suite vu que c'est là où il devait jouer le point. Mais encore faut-il le jouer aussi bien. Et il l'a remarquablement fait. Mais il n'en reste pas moins vrai que Connors s'est tout de même laissé embarquer dans un quatrième set et compte tenu de la marge de sécurité qu'il a par rapport à Vasselin, je pense que si on en comparaison, Borg ne se serait pas laissé embarquer dans un quatrième set. Et oui, c'est toujours dangereux. Dans ce quatrième set, Roger Vasselin a eu deux fois des balles de jeu. Second service.
Remarquable la manière d'avancer dans sa volée de Connors avec un dynamisme et une précision superbe. Oui, là, il n'a pas contrôlé du tout la balle. 41. Ouais. Important maintenant, Connors au service, 3-1, très important ce jeu. Droit le long de la ligne qui sont mal contrôlés au cours de ces quelques derniers points par Connors. Je crois tout de même qu'il prend à chaque fois beaucoup de risques. Il n'a aucune marge de sécurité dans son jeu et je crois que c'est ce qui explique qu'il parvienne presque partout en demi-finale ou en quart de finale, mais qu'il ait du mal maintenant à aller jusqu'au bout. Faute aussi, 40. Je crois. Connors a l'air surpris alors que la balle est nettement faute. Je crois elle qu'elle ne peut pas prêter à confusion. Il était très loin, il l'a mal vu. Et on revoit justement cette balle. On va voir si on arrive à déceler l'impact. Oui, elle semble aussi faute sur l'écran.
semaine, 3 jeux à 2, 4e. Voilà Connors, 3 jeux à 2. Je crois que Christophe Roger-Vasselin a vraiment toutes les qualités du français par son talent et de l'anglais par sa ténacité. Et on voit cette balle, un coup droit un peu raté que Connors se précipite en jouant très bien pour venir au filet, mais un excellent lob qui prend à contre-pied Connors, qui est au prix d'un gros effort, de beaucoup de vitesse, arrive à donner grâce à un coup de poignet, a ramené avec énormément d'adresse la balle dans le court. Et une deuxième fois, il est remis en difficulté. C'est là où il y a une ouverture pour Christophe Roger-Vasselin qui en profite, qui joue là un très bon point. Un point qui lui permet de revenir à 3-2. Et ce jeu, je vous disais qu'il était important, Connors ne l'a pas bien joué. Également, Christophe Roger-Vasselin qui a vu que Connors faisait des erreurs en coup droit, est en train maintenant de l'harceler sur son coup droit et c'est, semble-t-il, tout au moins dans l'immédiat, une bonne tactique. De la situation, il a vu qu'il avait le temps de jouer la balle. Voilà, on le voit ici. Vous voyez, il a une balle qui saute sur le filet, qui est difficile, qui le prend à contre-pied, mais il se rend compte qu'il peut tourner la balle et il la joue. C'est vraiment un sang-froid et une appréciation de la situation exceptionnelle de la part de Connors. Jeu Connors qui mène par 4 jeux à 2. Je crois, Pierre, que Connors nous offre aujourd'hui un merveilleux spectacle. C'est un homme de spectacle, mais personnellement, je le prends tout de même assez vulnérable. Oui, tout au moins sur cette partie, il a bien réussi à creuser l'écart quand il fallait, mais tout de même, il ne se montre pas suffisamment convaincant pour être un vainqueur possible ou un finaliste possible. Je crois qu'effectivement, il aura besoin de beaucoup s'améliorer pour être dangereux dans ce tournoi. Voilà, et la situation pour les organisateurs ne s'arrangera pas encore aujourd'hui car il va de nouveau pleuvoir dans quelques moments. Et toutes ces parties qui ne seront pas jouées aujourd'hui vont s'accumuler à celles qui n'ont pas été jouées hier et avant-hier. Je pense que le directeur du tournoi, Christian Duxin, doit commencer à se faire du souci aujourd'hui. Thank you.
nouveau être interrompu. Ce sera la deuxième fois, c'est bien dommage. Mais ça devient une litanie que de le regretter. Actuellement 15 partout, 4 jeux à 2 pour Connors dans le quatrième set, mais ils ne pourront pas continuer. L'arbitre de chaise va sans doute interrompre cette rencontre. Les deux joueurs pour le moment donnent l'impression de vouloir rester sur le terrain, mais ça ne paraît pas très, très sérieux. Non, c'est pas raisonnable. Il y a, d'une part, le court va être en mauvais état, et d'autre part, ils n'ont aucune chance de pouvoir continuer. Le court aurait dû être bâché maintenant. Oui, mais non, je ne sais pas pourquoi les joueurs et l'arbitre restent sur le court. Voilà, ils s'en vont tout de même, vaincus par le temps, hélas. D'autant qu'il pleut très très fort maintenant. Je ne sais pas si Jean Reynal m'entend de l'autre côté, ou Alain Escoubet. Mais on pourrait peut-être tout simplement leur demander où en est le score entre Gunthart et j'oublie le nom de son adversaire, mais ça va. José-Louis Clair. Voilà, José-Louis Clair. Mais oui, Christian Quillet, nous sommes là depuis le début, hein, nous ne bougeons pas, qui gagne notre poste au cours numéro 1, là. Champion d'Idage, Jean Besco et moi-même. Alors José-Louis Clair a gagné le premier set par 7-5, et dans le deuxième set, c'est lui qui mène par 5-4. C'est lui qui est au service, enfin qui était au service, car ici aussi il pleut et les joueurs ont regagné le vestiaire. Et disons que sur son service, c'est Clair est mené 15-30. Donc tout de même, José-Louis Clair, qui est tête de série numéro 7, face au Suisse Hans Gunthart, est bien parti donc pour l'emporter. En tout cas, il mène 1-7-0 et 5-4 sur son service dans le deuxième set. Et auparavant, oui, Pecci avait gagné. Pecci avait gagné face à Vittorio Magnelli, l'Italien, par 6-2, 7-5 et 6-1. Voilà, à bien, vous. Merci, merci Jean Reynal. Merci Jean, peut-être on se retrouve tout à l'heure, en tout cas on se retrouve tout à l'heure pour le résumé du soir. Et maintenant je vais appeler Jean-Michel Leliot dans les coulisses de Roland-Garros. Oui, malheureusement sans caméra pour l'instant. Christian, vous me recevez bien là? Oui, très bien, oui. J'ai à côté de moi le français Christophe Roger-Vasselin qui est là et qui nous a accordé une minute pour faire le point en lui demandant tout d'abord ses impressions. Deux interruptions, c'est un peu trop pour les deux joueurs d'ailleurs. On a eu l'impression que la première allait vous jouer des tours et puis finalement vous êtes bien repris. Oui, j'ai mal. Heureusement que j'ai mené 5-0 au troisième, parce que j'ai mal débuté la reprise. Enfin, de toute façon, c'est difficile, parce qu'il joue vite, alors c'est difficile de se mettre tout de suite dans le coup. Oui. Comme d'ailleurs au premier set, j'étais débordé. Mais Christian Darmon, tout à l'heure, disait que. Pierre Darmon disait tout à l'heure que finalement, Connors ne semblait pas invulnérable aujourd'hui. Non, non c'est-à-dire que. Il met un pressing constant, ce qui fait que c'est difficile de. Sur des balles importantes, il met. C'est lui qui mène toujours le jeu, alors c'est difficile de surpasser dans les moments importants, parce que dans les moments importants, j'aime bien faire le jeu moi-même, et c'est impossible avec lui. Alors comment vous voyez la fin du match là? Si je joue ce soir, parce que ça risque de se jouer encore demain matin. Il mène 4-2 au quatrième, il est quand même en meilleure posture que moi, et puis... On a l'impression qu'il joue constamment sur votre revers, et vous empêchez d'emmener les balles hautes, parce que vous jouez beaucoup de balles hautes. Oui, je crois qu'il faut essayer de varier son jeu contre Connors, c'est de jouer beaucoup le coup droit comme je fais, et puis espérer qu'il fasse des fautes. Et moi, il faut que je tienne plus la balle dans le court que j'ai fait là à l'instant en quatrième, parce que sinon je vais perdre. Il faut que je fasse mieux que ça là maintenant. Quelle que soit l'issue du match, ça aurait été une belle après-midi. Oui, mais c'est jamais agréable de perdre même contre Connors. Enfin, c'est toujours. En tout cas, Jean-Michel. Voilà, il fera son mieux, je le laisse, merci. Merci Jean-Michel, ouais. Je crois que de toute façon Christophe Rocher-Vasselin fait un match intelligent et courageux, et que nous le pensons avec Pierre Darmon que malgré tout Connors reste vulnérable, sinon pour Roger Vasselin, pour d'autres joueurs qu'il pourrait rencontrer dans ces internationaux de Roland-Garros qui sont, je vous le rappelle, une fois de plus et encore perturbés par la pluie. Alors voilà, je vais m'adresser directement à la fois à nos techniciens qui se trouvent ici autour du central de Roland-Garros et à la régie finale de Cognac-Jay. Nous devions rendre l'antenne à 18h30, à 17h33, c'est-à-dire qu'il ne nous reste que 4 minutes. Ça me paraît un peu court tout de même pour vous proposer un enregistrement. Alors de deux choses l'une, où nous refaisons un petit peu le point de la journée avec Jean-Michel Leliot, qui a peut-être d'autres résultats s'il m'entend. Ou bien nous rendrons l'antenne un tout petit peu plus tôt à la régie finale. C'est aux techniciens et aux responsables de cette régie de me le faire savoir. En tout cas, nous avons réussi aujourd'hui. Alors, de toute façon, Jean-Michel Leliot est à l'antenne. Nous revoyons d'abord, Jean-Michel, un ralenti de Jimmy Connors au service.
un saut étonnant où il décolle d'une vingtaine de centimètres sur le service pour venir maintenant se placer. Là encore, il décolle. C'est une balle liftée un peu haute qui l'a amené à être projeté en arrière. Alors que là, il attaque, il se jette en avant avec un coup droit très plat le long de la ligne. Et vous voyez cette accélération pour l'amener au filet. Il est près du filet, il se baisse. Là, il fait une volée le long de la ligne, toujours avec ce jeu de jambes. Et maintenant, il a un smash facile à terminer, car cette première volée, une volée d'approche, lui avait complètement créé l'ouverture. C'était cette vitesse et cette accélération qui l'avait amené au filet. Voilà, Jean-Michel, vous êtes à l'antenne. Si vous le voulez bien, sans vous déranger, on refait le point de la journée. Oui, ben finalement, vous savez, les choses n'ont pas tellement évolué, Christian. À partir du moment où les matchs interrompus ici sur le central l'ont été également sur les autres cours. En tout cas, je dois vous rappeler les principaux résultats avec Proisy qui a battu le Hollandais, l'Australien Kronk ce matin en 3-7. Ikaza, l'Équatorien, qui a créé la surprise de la journée en éliminant Gerulatis, finaliste l'an dernier. Kruzulovic, l'Américain, qui a battu Nistrom, le Suédois, en 4-7. Ganzabal, l'Argentin, qui a battu le vieux Viejo Orantes en 3-7. Gottfried, qui a battu Aubonne, l'Argentin, en 4-7. Barami, qui a éliminé le Français Hayet, c'était ce matin, en 4-7. Jean-François Cojol, lui, s'est qualifié. Il a battu Macco, l'Américain, en 3-7. Urpi, l'Espagnol, a battu Christophe Casa, le Français, donc éliminé, en 4-7. Et Pecci, vous le savez, vous l'avez vu en partie, a battu Manieli en 3-7. Pour ce qui est des dames, qualification de l'Américaine Smith, de la Tchèque Pinterova, d'une autre américaine, Rinaldi, une toute jeune d'ailleurs, de la hollandaise Van der Thor, de l'américaine Andrea Jäger, qui a eu beaucoup de mal à battre la hongroise Teves Mari, et enfin l'italienne Rossi, qui a battu Lewis, l'américaine, en 2-7. Enfin, vous avez entendu tout à l'heure les propos de Christophe Roger-Vasselin, et je pense qu'il nous a un petit peu éclairé sur sa forme. Rien n'est perdu en ce qui concerne le match contre Connors, qui sera vraisemblablement, écoutez, je regarde encore une fois le ciel, c'est fini pour ce soir, je peux vous l'annoncer, il est désespérément gris jusqu'après Paris. Merci Jean-Michel. Alors voilà, nous nous retrouvons ce soir pour notre résumé avec Jean Reynal et Christian Quillet à partir de 22h45 et demain matin dès 11h en direct avec Alain Escoubet et Françoise Dur. Bonsoir et bonne fin de journée. Deuxième grosse surprise de ces internationaux de France, l'élimination de Gerulaitis, finaliste l'an dernier. Tête de série numéro 9, l'Américain a été battu par l'Équatorien Ricardo Ikaza en 4-7. Mauvais perdant, l'Américain Gerulaitis a refusé de se rendre à la conférence d'après-match et a écopé d'une amende de $500. Pour l'Américain Telcher, qui lui avait bousculé hier un juge-arbitre, la sanction a été encore plus sévère, $2500 d'amende. Lendl, Pecci et José Luis Clerc se sont qualifiés aisément cet après-midi. Quant à Jimmy Connors, il a pu mesurer sa popularité. Il reste le joueur préféré du public parisien, même lorsque son adversaire est un Français. Beaucoup d'écoliers pour assister à ce match, perturbé par la pluie. Roger Vasselin est au fond du cours. Jimmy Connors, toujours impressionnant de puissance. Connors alterna le bon et le moins bon, commettant parfois quelques grossières erreurs. En face de Jimmy Connors, un Roger Vasselin courageux, souvent très bon dans son jeu défensif, mais les accélérations de Connors sont souvent décisives. Et
est toujours aussi rageur dans ses matchs, toujours aussi impressionnant et toujours aussi apprécié du public de Roland-Garros, qui était très nombreux cet après-midi pour encourager le grand Jim. Roger Vasselin à la réception de ce service. Roger Vasselin qui a sauvé plusieurs balles de match face à Jimmy Connors. Il a même remporté le troisième set. Il ne peut récupérer ce match de l'Américain, la balle de match, dans quelques secondes. Un Jimmy Connors toujours aussi détendu, qui essaie de remporter enfin un grand tournoi sur terre battue. Il espère gagner Roland-Garros. La balle de match au service Jimmy Connors. Trois Français se sont qualifiés aujourd'hui. Patrick Croisy a battu l'Australien Kronk en 3-7. Croisy affrontera Nastase au prochain tour. Jean-François Cogel a éliminé McCown c'est bien cela. Patrice Kouchna, l'autre Français, a passé un tour aux dépens du Sud-Africain Schneider. Quant à Jean-Louis Hayet, il a été dominé par Bahrani. Le cas de ce joueur Bahrani est étonnant. Il a la nationalité iranienne, mais il a quitté l'Iran depuis août 80 parce que le gouvernement n'attache aucune importance au sport, a-t-il dit. Il s'est inscrit dans un club de la région parisienne, mais comme il a une carte de séjour valable pour 2 mois seulement, il ne peut pas disputer les autres grands tournois et sortir de France. Et pourtant, il espère bien un jour disputer le tournoi de Wimbledon et jouer sur elle. Demain, un match difficile pour le Français Thierry Tulan. Comment doit-il jouer pour battre l'Italien Panatta, Pierre Barthès? Je crois que Thierry Tulan a tous les arguments pour pouvoir battre Adriano. Il faudra qu'il serve bien et c'est un problème pour lui, surtout sa deuxième balle. Il a besoin de servir loin, sinon Adriano va se ruer sur sa deuxième balle à la volée, changer de rythme. Je crois aussi que dans les échanges du fond du terrain, il va falloir qu'il tienne loin, c'est-à-dire qu'il joue long, et, ou court croisé, mais enfin le tenant loin, pas en situation d'accélération, parce que Adriano va décrocher des accélérations et des amortis, c'est sa force. Son service aussi est son point fort à l'Italien. Son service en ce moment marchait très très bien contre Solomon le premier jour, il a fait un match formidable, alors on va voir, et Thierry Tulan aussi d'ailleurs contre Higueras, on a deux joueurs qui sont en forme, on a assisté à un très bon match. Voilà, le temps de récupérer, de vous dire que Yannick Noah jouera aussi sur le central de Roland-Garros face au Chilien Gildemeister. On verra aussi Borg contre le Brésilien Mota, Villas opposé au Français Pascal Porte, Nastase Croisy et Thor Jiménez, sans oublier les dames bien sûr, Virginia Ruzici et Chris Evert-Lloyd notamment.